cette cérémonie à la fois solennelle et symbolique, je voudrais, en tant que président de l'Union pour la République, donner la parole tout d'abord au premier vice-président et porte-parole de l'UPR, maître Charles-Henri Jay, en qualité également d'avocat de Bertrand Zibi. Maître, vous avez la parole. Mon très cher frère, chers amis, chers enfants de la République, vous comprendrez mon émotion. Je suis particulièrement heureux de retrouver cet après-midi Bertrand Zibi. Bertrand Zibi sort d'une épreuve difficile. Bertrand Zibi frappé. Bertrand Zibi humilié. Mais Bertrand Zibi toujours debout. Jours au pénitencier de Gros Bouquet sont un enfer. Et Zibi a connu cet enfer-là. C'est avec honneur et plaisir que je le salue ce matin devant vous, les enfants de la République, pour lui renouveler mon sentiment fraternel et de fierté. Ce moment, je l'ai souvent imaginé, nous en avons souvent parlé, mais nous n'étions pas sûrs que ce moment-là arriverait. Que d'embûches, que de difficultés, que d'incertitudes, que d'angoisse. Aujourd'hui, Bertrand est devant nous et devant vous, debout et en bonne santé. Tout à l'heure, dans la salle, nous avons remercié le Tout-Puissant. Parce que c'est grâce au Tout-Puissant que Bertrand est debout. Et c'est au pénitencier que Bertrand a découvert Christ. Il y a passé tous ses sacrements. Amen. Le baptême. D'abord, la première communion, ensuite, et la confirmation, enfin. Par sa foi et par ses convictions, Bertrand Zibi est devenu le responsable de la communauté catholique au pénitencier de Libreville. Sous vos applaudissements. C'est vous dire que sa foi inébranlable lui a permis de surmonter, grâce à la prière et à la croyance, cette foi lui a permis de surmonter les difficultés, la torture, puisqu'il a été torturé et qu'il a vécu tout cela dans sa chair. Nous rendons encore grâce à Dieu qu'il soit vivant. Pour ce qui est du combat, ses convictions sont demeurées intactes, mais comme je le disais, il y a un temps pour tout. Un temps pour la joie, c'est le temps de la joie. Ensuite viendra l'autre temps, le temps des grandes décisions. Et ce temps-là viendra également. Bertrand Zibi, c'est un enfant de la République, comme nous tous, et nous aimons notre pays. Et nous pensons qu'en démocratie, la chose des choses les plus importantes, c'est l'alternance. L'alternance par les urnes. Et vous savez que dans notre parti, l'Union pour la République, nous croyons en l'alternance. Parce que notre objectif, c'est d'exercer le pouvoir après une victoire naturellement aux élections ou de partager le pouvoir. C'est l'exercice du pouvoir ou le partage du pouvoir. Et ce sont les deux objectifs que vise l'Union pour la République. C'est le combat que nous menons chaque jour.
François Philippe. Monsieur le Président Gervais Onyan, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous. Un tel accueil délirant, un tel accueil avec le cœur des militants et militantes survoltés. De là où je viens, la joie était presque inexistante. Mais nous rêvions de ces instants. Nous avions certains frères, certains matons qui nous faisaient écouter au travers de leur téléphone cellulaire des morceaux qui pouvaient nous donner un peu d'espoir. Le DJ, je pense, il a lu dans mon âme. Avant de continuer mon propos, je lui demanderai très respectueusement de nous mettre Vanessa B, qui, elle, Vanessa B, Vanessa B, DJ, pardon. Et vous danserez avec nous et vous comprendrez pourquoi Vanessa B est l'hymne des opprimés et des prisonniers. DJ, on peut... notre mental en ayant espoir un jour de pouvoir le danser comme je viens de le faire. Monsieur le Président, cher frère Gervais, tu viens là de m'offrir à moi et à tous les autres qui n'ont pas cette chance de l'écouter en direct le plus beau cadeau. Depuis ma sortie de prison, j'ai rêvé de pouvoir le danser et je l'ai dansé en présence de mon avocat Maître G qui m'a sorti de prison. Merci infiniment. Alléluia. Amen. Ce pays, dorénavant, que ceux qui ne l'ont pas compris, comme l'a dit le Christ, que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui ont les yeux voient. Le Gabon est résolument entre les mains de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Dixit.